Bonjour, chers téléspectateurs authentiques, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment peut-on agir avec un escargot dont la coquille a été blessée. Et c'est tout de suite, on y va! Donc, pour notre escargot blessé, nous allons lui faire un terrarium. Un terrarium, c'est entre parenthèses, on peut dire que c'est une maison que nous allons réaliser pour notre escargot malade. Et pour pouvoir réaliser ce terrarium, il nous faut du terreau. Vous voyez ici, ce sont des... Regardez ce sable, c'est de couleur noire, vous voyez. C'est-à-dire que c'est du sable humifère. L'humus, ça provient de la décomposition des éléments. Donc, c'est un sable riche, idéal pour l'élevage de l'escargot. Et vous allez voir qu'il y a des vers de terre. Il y a des vers de terre dans le sable, je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà un vers de terre qui est là. C'est-à-dire que c'est un sable vraiment idéal. C'est ce qu'on appelle le sable humifère. Donc c'est un sable qui provient de la décomposition des éléments, qui est très riche. Donc c'est avec ça que nous allons faire notre terrarium pour notre escargot qui est blessé. Nous allons prélever ce sable là. Ok, chers élisticteurs authentiques, voici le bol. Ce bol là sera à la maison, sera notre terrarium. C'est avec ce bol là que nous allons faire notre terrarium. Vous avez vu le sable noir. Vous avez vu le sable noir qui est idéal pour le rivage d'escargot. Un sable très riche. Et voici notre escargot. Notre escargot blessé. Vous voyez, c'est la partie blessée. Ça, vous voyez la partie là. C'est la partie blessée de notre... Donc voilà. Nous allons lui mettre des fibres de coco pour empêcher la lumière directe de parvenir à lui. Donc, nous allons lui mettre les fibres de coco. Donc avec ça, il sera à l'aise. En plus de cela, Nous allons lui donner une alimentation convenable pour lui permettre de réparer la partie blessée, de reconstruire sa coquille. Nous allons lui donner une alimentation riche en vitamines et surtout en calcium. Et il va lui falloir aussi beaucoup se reposer. Donc, ici, il y a beaucoup de lumière, donc nous allons le mettre dans un endroit où il n'y a pas, où c'est un peu sombre, pour lui permettre de se reposer tranquillement et tout en mangeant correctement des aliments riches en vitamines, de pouvoir reconstituer sa coquille. Donc ici j'ai de la salade également. Je vais lui donner de la salade. On sait que les escargots, ils adorent vraiment la salade. Donc, je vais prendre ces feuilles de salade là. Donc, je vais couper les feuilles de salade. Voilà. Donc, je vais lui donner les feuilles de salade qu'il va consommer. Je sais que ça va vraiment lui faire du bien. Donc voilà les feuilles de salade que je vais couper, que je vais lui donner. Je sais que ça va lui faire beaucoup plaisir de consommer de la salade. Et comme je l'ai dit plus tôt, à la salade, on va ajouter du moringa mélangé aux coquilles d'œufs. Donc l'idéal serait d'avoir la poudre de moringa. Et voilà, mais... Les moringas ne sont pas encore sèches et on ne peut pas attendre.
On va ajouter son eau dedans en attendant jusqu'à ce que ça soit sèche. Et là, ça serait mieux. Mais ça ne dérange pas. Hein. C'est toujours... Même si ce n'est pas sèche, il y a quand même les vitamines dedans. Donc, c'est pas mal. Donc, ces coquilles d'œufs là, que vous voyez, je vais mélanger avec les feuilles de moringa. Ce n'est pas encore sèche. Normalement, les feuilles de moringa, lorsqu'elles sont séchées, elles ont beaucoup plus de vitamines que de... que les feuilles fraîches. Mais là, je les ai séchées, mais ce n'est pas encore bien sec. Hein. Je viens de les cueillir il n'y a pas longtemps, donc il va falloir du temps pour qu'ils soient sèches. Mais vous pouvez également acheter directement la poudre de moringa, ça se vend. Donc vous allez mélanger ainsi, la poudre de moringa aux coquilles d'œufs. Donc moi, je n'ai pas... Moi, mes feuilles de moringa ne sont pas encore sèches, mais bon, je vais quand même piler ça comme ça et mélanger ça comme ça pour lui donner ça. D'accord? Donc voilà, je suis là. Ici, il y a moins de lumière. Donc je le recouvre avec un panier pour qu'il ne s'échappe pas. Parce qu'il est en traitement, donc je mets de la pierre dessus. Donc voilà, ici il n'y a pas beaucoup de lumière, donc il pourra se reposer tranquillement là. Donc en attendant, j'irai piler le moringa mélangé à la coquille d'œuf pour son alimentation. Donc, chers héliciculteurs authentiques, voilà ce que ça donne. Hein. Le mélange de la feuille de moringa pilée au calcium. Donc voilà ce qu'on va lui donner. C'est un aliment très très riche en vitamines. Très riche en vitamines. Vous-même, vous savez, on n'a pas besoin de détailler dans cette vidéo les vertus du moringa. C'est une plante très très riche en vitamines. Et très bon. Hein, vous-même, vous le savez, hein? Mélanger au calcium, il n'y a pas mieux. Hein? Donc voilà. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà le mélange. Je vais lui servir ça. Et je vais l'arroser avec de l'eau. Parce que vous savez que les escargots, ils aiment l'humidité. Donc je vais l'arroser légèrement avec de l'eau. Et lui souhaiter un bon rétablissement, hein, de votre part. Ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour toute formation, achat d'escargotière, coaching, suivi, mise en place d'une ferme pour escargots, n'hésitez pas à me contacter via le numéro WhatsApp qui va s'afficher sur l'écran de votre portable ou ordinateur. On se dit à la prochaine!